Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, durant la petite époque, par l'immédiat apport, nous terrefois, je déclare la séance ouverte et je demande à Madame la secrétaire générale par intérim de bien vouloir donner lecture de la lettre de convocation. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous avez convoqué cette séance par lettre datée du 4 janvier 2005. Mesdames, Messieurs les représentants, j'ai l'honneur de vous informer que l'Assemblée de la Polynésie française tiendra la deuxième séance de sa session extraordinaire le vendredi 7 janvier 2005 à 9h. Je vous prie d'agréer, Mesdames, Messieurs les représentants, l'expression de ma considération distinguée signée par Monsieur Hirohiti Tefareri. Merci, Madame la Secrétaire Générale. Mille excuses aux second ministre, j'ai vu le premier, aux deux ministres, Fali Mettetapon-Oterfo-Terfo-Yerhey. Madame la secrétaire générale, pouvez-vous faire l'appel des représentants présents aujourd'hui? Madame Bennette Fabienne, présent. Monsieur Foster Temauri, présent. Monsieur Frébourg-Jean-Alain, absent. Monsieur Kohomoutine-René, présent. Monsieur Lison Marcelin, présent. Madame Maraya Emma, présent. Monsieur Moutam Thomas, présent. Monsieur Nari Toanene, absent. Madame Parker Eleanor, présente. Madame Richton Monique, absente. Monsieur Rupito Paul, présent. Madame Tata Fabiola, présente. Madame Tahiata Flores Chantal, absente. Madame Tahou Watama Juliette, présente. Monsieur Tefarere Hirohiti, présent. Madame Teruatia Sylviane, présente. Madame Tetonui Lana, présente. Madame Tetonui Jennings Patricia, absente. Monsieur Veira Rouahouad, présent. Et Monsieur Yves Michel, absent. Voilà, monsieur. Merci. Pouvez-vous donner lecture des procurations déposées, s'il vous plaît? Monsieur le Président, nous avons reçu les procurations de Mme Chantal Tahiata à M. Hirohiti Tefareri, M. Michel Yip à Mme Eleanor Parker et Mme Monique Richton à M. René Kohomoutine. Voilà, M. le Président. Merci. Nous sommes tous d'accord pour garder nos deux secrétaires de séance, Mme Teruate Parker comme secrétaire. Bien. Pouvez-vous donner lecture, Madame la Secrétaire Générale, du projet d'ordre du jour? Monsieur le Président, la conférence des présidents convoquée mardi dernier vous propose l'ordre du jour suivant. Point 1. Approbation de l'ordre du jour. Point 2. Approbation du procès verbal de la cinquième séance de la session budgétaire du 13 décembre 2004. Point 3. Examen des rapports des projets des propositions de délibération. Point 4. Examen de la correspondance. Point 5. Convocation de la prochaine séance. Et enfin, point 6. Clôture de la séance. Madame, Monsieur le Président. Merci, Madame. Sommes tous d'accord pour l'ordre du jour proposé? À l'unanimité. Unanimité. Unanimité. L'ordre du jour est approuvé. Pouvons-nous passer maintenant au deuxième point d'ordre du jour, l'approbation du PV de la séance de la session budgétaire? Même vote, unanimité, unanimité. Le PV donc de la session budgétaire du 13 décembre 2004 est adopté. Passons au troisième point de notre ordre du jour, à savoir l'examen des rapports, projets et propositions de délibération. Sur le rapport numéro 1, donc le rapport 51 du 3 janvier 2005, relatif à un projet de délibération portant création d'un dispositif de soutien de la pêche. Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir pour expliquer la philosophie de ce texte? Oui, merci Monsieur le Président. Yorana Tatopouro, Te Mahana, Kiawara Otawara Huilatira. Donc, ce texte. Ce projet de délibération concerne donc la mise en place d'un,
d'un dispositif de soutien à la pêche. Bon, on ne l'a pas appelé fonds de soutien à la pêche parce que par rapport à la terminologie des fonds donc tel qu'il existe aujourd'hui au niveau du budget, donc c'est pas géré tel qu'un fonds. Ce dispositif donc est doté aujourd'hui d'une enveloppe de 150 millions et il s'agit de soutenir la filière pêche lagonnaire et hauturière et notamment donc de répondre à la situation difficile que connaît aujourd'hui la filière pêche hauturière en mettant donc en place en proposant un soutien donc pour l'exportation du poisson parce que dû notamment à la parité du dollar aujourd'hui qui n'est pas favorable pour les exportateurs polynésiens et également donc la mise en place d'un soutien à la glace. La glace qui est aujourd'hui donc un produit essentiel pour la conservation du poisson et donc on souhaitait donc soutenir le prix de la glace au niveau du port de pêche et puis la mise en place également de petites aides aux pêcheurs lagonnaires et notamment donc pour l'acquisition de petits matériels utile au développement de la pêche lagonnaire. Donc voilà les trois axes que nous souhaitons donc pour l'année 2005 proposer pour la filière pêche, en sachant que ces axes pourront être revus, corrigés dans les années à venir, en tout cas pour l'exercice 2006. Mais pour 2005, nous souhaitons donc répondre à ces trois axes aujourd'hui qui sont les plus urgents pour la pêche hauturière et la pêche lagonnaire, donc venir un peu soutenir nos petits pêcheurs qui se sont sentis un peu oubliés. Merci, Monsieur le Ministre. Passons donc à la lecture du rapport présenté au nom de la Commission de l'économie par Messieurs Marcelin Lisson et René Kourou-Moutini. Monsieur Marcelin Lisson, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, chers collègues représentants ainsi que le public ici présent, Yorana. Donc, nous allons passer à la lecture du rapport par lettre numéro 59-PR du 30 décembre 2004. Le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant création d'un dispositif de soutien de la pêche, DSP. Le secteur de la pêche traverse depuis plus d'un an une crise liée à la diminution des rendements de pêche qui ont chuté de plus de 50% depuis 2002. Les rendements de pêche moyens annuels qui s'établissaient à 53 kg pour 100 hameçons ont baissé à 36 kg pour 100 hameçons en 2003 et à 20 kg pour 100 hameçons en 2004. Cette situation a entraîné pour les armements des retards de paiement des échéances bancaires et des difficultés pour régler les dettes de leurs fournisseurs qui se chiffrent à 380 millions CFP selon une enquête effectuée par le service de la pêche à fin août 2004. Pour pallier ces difficultés financières, les armateurs s'efforcent de diminuer des charges parfois nécessaires, telles que l'entretien ou la couverture en assurance des navires. Par ailleurs, la faiblesse et les retards dans les versements des parts de pêche engendrent ipso facto des problèmes de recrutement des équipages. En ce qui concerne la partie négoce, et plus particulièrement les mareyeurs exportateurs, elle doit faire face à une conjoncture particulièrement défavorable. Chute importante du tonnage, diminution importante de la parité du dollar US avec notre monnaie, emménagement dans des locaux générant des charges importantes au regard des tonnages traités. Cette situation liée aux conditions hydroclimatiques actuelles a été préjudiciable à l'ensemble des pêcheries des pays du Pacifique, centre et ouest. Les scientifiques du secrétariat de la communauté du Pacifique s'accordent à penser qu'il s'agit d'une situation temporaire. Une hausse des rendements a par ailleurs été enregistrée depuis le mois de juin dans le Pacifique centre.
Pour faire face à cette situation, il est proposé la mise en place d'un dispositif de soutien de la pêche, DSP, alimenté par une partie des recettes de la taxe pour l'environnement et l'agriculture, TEA, devenue taxe pour l'environnement, l'agriculture et de la pêche, TEAP. Le taux de la taxe reste inchangé, 2%. L'enveloppe prévue est de 150 millions de francs CFP. Le dispositif mis en place vient également soutenir les acteurs de la pêche lagonnaire, qui ne disposent d'aucune mesure pour améliorer les conditions d'exercice de leur métier. Ces travailleurs de la mer méritent des mesures de soutien à l'instar de leurs homologues hauturiers, d'autant que les revenus qu'ils en tirent sont les uniques moyens de subsistance de familles polynésiennes. Cette aide leur permettra de bénéficier d'une aide en nature, notamment par l'acquisition d'équipements et de matériel de pêche. Par conséquent, ce dispositif pourra intervenir pour compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation de certains produits de la pêche hauturière réalisés en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollar US. Assurer la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace au port de pêche de Papeete aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle et aux mareyeurs pour alléger leur charge d'exploitation. Équiper les détenteurs d'une carte professionnelle de pêcheurs lagonnaires en petit matériel. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission de l'économie de bien vouloir adopter. Voilà, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. La discussion est ouverte. Mes deux collègues du groupe non inscrits étant absentes, pour raison de santé. Donc, pas d'intervention chez les non inscrits. Pas d'intervention aussi. Au groupe Terra, Monsieur Kohomoutini, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, bonjour. Chers collègues, mes salutations les plus sincères. Fort d'un potentiel de 5 millions de kilomètres carrés, notre zone économique exclusive de pêche est l'une des plus importantes du monde. Plusieurs éléments concourent à nous montrer que nous avons là un des secteurs porteurs de l'économie de demain. Prenons tout d'abord le taux d'exploitation de notre ZEE. Il se situe à 1,4% pour 2003, ce qui ne représente vraiment pas grand-chose. Considérons ensuite notre pêche hauturière. Si notre production annuelle est de 7 395 tonnes, il n'en demeure pas moins que les études menées conjointement par l'IFREMER et l'Institut de recherche et de développement estiment à plus de 100 000 tonnes de poissons par an les ressources de nos eaux. Il ne paraît donc pas impossible d'atteindre les 30 000 tonnes de poissons pêchés par an que s'est fixé le ministère de la Pêche pour 2006. Enfin, n'oublions pas que depuis 2001, la flottille de thoniers s'est fortement gonflée. Elle comptait en 2003 59 thoniers. Ces derniers se répartissent de la manière suivante. 37 sont destinés à la pêche fraîche, 18 sont des thoniers congélateurs et 4 sont des thoniers mixtes. Nous avons donc, depuis peu, les moyens nécessaires qui doivent nous permettre d'atteindre nos objectifs, mais surtout de pérenniser ce secteur qui a connu en 2004 des difficultés liées à plusieurs facteurs, notamment d'ordre climatique. Mais à ces dérèglements climatiques, il convient de prendre en compte également la fluctuation des cours monétaires de même que les incertitudes liées
à la conjoncture économique mondiale. Autant de facteurs qui ont ralenti la croissance de ce secteur, laissant parfois de côté des pans entiers de Polynésiens vivant de ces productions. Le projet de délibération qui nous est présenté ce jour a pour but de venir en aide à l'ensemble des acteurs de ce secteur, les petits comme les gros, si vous me permettez l'expression. En effet, mes chers collègues, ce dispositif de soutien de la pêche s'inscrit dans un cadre d'action qui inclut aussi bien la pêche hauturière que la pêche lagunaire. Je ne m'étendrai pas sur la pêche hauturière car on en entend déjà beaucoup parler à travers les indicateurs économiques que nous fournit le service du commerce extérieur. C'est plutôt sur la pêche lagunaire que je souhaite apporter quelques compléments d'information. Nous avons actuellement recensé près de 1000 pêcheurs lagunaires. Entendons par là les détenteurs d'une carte de pêcheurs lagunaires. Mais il est bien évident que ce chiffre ne reflète pas la réalité. En effet, le service de la pêche estime que ce nombre serait beaucoup plus élevé si les non-déclarés déposaient une demande de carte. L'enveloppe de 150 millions de francs CFP permettra d'équiper ces pêcheurs en petit matériel à hauteur de 150 000 francs CFP. Ce montant peut paraître dérisoire au vu des sommes d'argent investies dans l'achat de thoniers, mais il faut bien avouer que pour ces pêcheurs, 150 000 francs d'aide, c'est avant tout des frais fixes en moins, mais c'est aussi moins de difficultés à garnir une table, moins de difficultés pour nourrir sa famille. Il faut bien avoir conscience ici que plus de 70% de ces pêcheurs vivent hors des îles du vent. Ce dispositif qui devrait leur permettre de continuer à vivre dans leur île est un levier conjoncturel à la lutte contre l'exode rural. Il ne faut pas oublier cela. De plus, cette mesure incitera très certainement ces pêcheurs non détenteurs d'une carte de pêcheur lagunaire à en faire la demande afin de bénéficier de ce dispositif de soutien. Si cela se faisait, nous aurions alors un meilleur suivi de cette activité, ce qui nous permettrait d'accroître notre réactivité, mais également de gagner en efficacité. Voilà, mes chers collègues, ce que je souhaitais vous dire sur ce projet. J'aurais bien sûr pu m'étendre sur le soutien des prix à l'export ou encore sur le soutien du prix du kilo de glace pour les usagers du port de pêche de Papeete. Mais je pense qu'il était nécessaire de rappeler qu'avant de disposer de tout ce bel arsenal de thoniers, nos ancêtres se contentaient des ressources lagunaires, voire côtières, et je me félicite que ce dispositif puisse venir en aide à ces petits pêcheurs. Avant de conclure, je tiens à vous faire part d'une remarque que je me suis faite à la lecture de ce rapport. Nous constatons que le secteur de la pêche, dans son ensemble, est en difficulté. Nous observons une désertion au niveau de l'emploi. Parallèlement, nous souhaitons développer ces secteurs que nous considérons comme porteurs pour notre économie locale. Je m'adresse aux membres du gouvernement. Ne pourrait-on pas alors penser à définir aux actifs de cette profession un cadre juridico-légal? Pourquoi pas un statut qui leur offrirait l'assurance d'un salaire fixe, indépendant de l'incertitude liée aux parts de pêche qui constituent pour la plupart leur rémunération? En tous les cas, je suis pour ce projet et j'espère sincèrement qu'il en est de même pour vous. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur Kohoumoutini, pour la qualité de votre rapport. Je ne suis pas resté insensible et je pense aussi que le
ministre n'est pas resté insensible et qu'il a probablement des réponses à nous faire. Monsieur le ministre, si vous souhaitez prendre la parole, vous avez la parole. Oui, monsieur le Président, donc, merci monsieur le représentant Kourou Mouetini. Donc par rapport à ce que vous avez dit sur le statut du pêcheur, donc c'est un dossier qui... c'est un gros dossier sur lequel nous nous sommes penchés. Bon, je pense que malheureusement nous ne pourrons pas le présenter d'ici la fin du mois, parce que c'est un très très gros dossier qui va permettre donc de donner un statut à tous ces petits pêcheurs et également aux marins pêcheurs qui embarquent sur les thoniers. Tout le monde en parle depuis quelque temps et donc nous sommes plongés directement dans ce dossier. Nous allons nous concerter avec tous les partenaires, hein, donc les armateurs, les syndicats de pêcheurs, les administrateurs d'État et également bien sûr donc nos ministres concernés, donc celui qui sera chargé de la CPS certainement et le ministre de la Solidarité pour proposer dans des délais futurs, hein, j'espère qu'on pourra le réaliser cette année, donc un cadre juridique du pêcheur, lagonnaire et hauturier. Il est très attendu par les marins pêcheurs et bon, je ne peux pas m'engager aujourd'hui parce que vous savez pourquoi, mais nous sommes dessus, nous sommes sur ce dossier depuis quelques semaines. Par rapport à l'incidence de la... l'impact de la pêche lagonnaire dans l'économie locale, il est aujourd'hui un peu difficile de le quantifier puisque beaucoup de pêcheurs lagonnaires ils vont à la pêche pour de l'autoconsommation. Et ensuite, la part supplémentaire, hein, celle qui n'est pas consommée, elle est vendue dans des structures informelles. En tout cas, c'est une vente informelle. Il n'y a pas de statistiques, malheureusement, qui nous permettent aujourd'hui de bien quantifier tout cela, mais nous savons bien sûr tous que dans les îles, la pêche lagonnaire représente une grosse part, hein, de l'économie locale des îles, puisque beaucoup d'argent circule à travers la pêche lagonnaire. Et donc nous allons, grâce à ce dispositif, puisque les gens vont certainement être intéressés de se régulariser par rapport à la carte de pêcheur lagonnaire, pouvoir mieux quantifier demain l'impact de cette pêche lagonnaire sur notre économie, puisque nous allons pouvoir faire des statistiques à travers les pêcheurs qui seront recensés et faire des relevés mensuels de ce qui sera pêché, de ce qui sera vendu. C'est pas facile à mettre en place puisque vous connaissez un peu nos pêcheurs, ils n'aiment pas trop les chiffres. Eux, ils pêchent, ils vendent. Et donc il faudra un peu former et puis demander à nos pêcheurs de quantifier, de compter ce qu'ils pêchent et compter ce qu'ils vendent pour pouvoir faire des statistiques fiables pour demain. Mais ce dispositif est important, il est attendu par tous les petits pêcheurs qui auront accès donc à des petits équipements pour la pêche quotidienne, la pêche soit sur le petit marara, soit avec un petit va, ou soit le pêcheur qui va pêcher avec un fusil. Donc ces petits pêcheurs auront accès à ces petits matériels qui ne sont pas énormes, hein, au niveau de l'investissement, mais qui sont importants pour subvenir aux besoins de ces petites familles. Voilà, Marou. Merci, monsieur le ministre. Avant de passer à l'article 1 pour vous faire saliver, ce matin, un de mes frères de lait m'a amené un bon petit houmé de Mouréa. Excellent, nous pas. C'était excellent. Article 1, monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Merci, le président. Vous aurez dû nous appeler quand même. Hein. La prochaine fois. Hein. Article 1er, en vertu des dispositions, la présente délibération les crée un dispositif de soutien à la pêche, DSP, dont les ressources proviennent d'une partie des recettes de la taxe de l'environnement, de l'agriculture et de la pêche. On passe au vote sur l'article 1. Unanimité.
Unanimité. Article 2. Il y a un amendement. Le dispositif. Non, il y a un amendement, oui. Oui, vous lisez d'abord l'article, okay. Ensuite il y a l'amendement. Le dispositif de soutien à la pêche intervient pour compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation des produits de la pêche hauturière correspondant aux positions tarifaires douanières suivantes. 0304-9020, 0304-2020, 0304-1020, 0304-1010, 0303-7900, 0305-4990. 0302 6900, 0303 4300, 0304 9010, 0304 2010, 0303 4200, 0302 3200, 0303 4100, 0302 3100, 0303 4900, 0302 3900, 0302 3400, 0302 3500. Réalisé en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollars US. Assurer la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace au port de pêche de Papeete, aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle et aux mareyeurs. Équiper les détenteurs d'une carte professionnelle de pêcheurs lagonnaires en petit matériel hors filet maillon, nécessaire à leur activité, dans la limite d'un plafond annuel de 150 000 francs CFP. La liste de ces matériels est fixée par un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci, Monsieur le rapporteur. Monsieur le ministre, vous avez un amendement à proposer. Oui, Monsieur le Président. Vous avez la parole. Donc, c'est un amendement que nous souhaitons vous proposer pour restreindre, donc en tout cas pour sortir les codifications, donc celles qui ont été énoncées, et donc d'extraire les différentes codifications relatives aux produits transformés, aux produits transformés issus de l'industrie agroalimentaire, puisqu'il s'agit aujourd'hui de soutenir l'exportation de poissons qui sera donc exporté en poisson entier, en longe ou en découpé, mais pas le poisson transformé. Quand je dis transformé, qui va être travaillé, parce qu'il s'agit là donc d'une logique d'industrie et donc ça sort un peu du cadre de l'exportation de poissons. Je laisserai donc le soin au ministre chargé des entreprises de pouvoir soutenir ce type de d'activité. Donc c'est une codification qui sera extraite, c'est la codification 0304-990. La 0305-4990. C'est celle-là qui n'est pas aujourd'hui concernée par l'activité de pêche proprement dit, puisqu'il s'agit du poisson transformé, fumé, donc il ne s'agit pas du tout de... Merci pour ces précisions, mais le règlement nous impose de vous demander de donner lecture de votre amendement. Voilà. Donc un des objectifs du présent projet de délibération est d'aider les mareyeurs exportateurs par la compensation de la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation de certains produits de la pêche hauturière réalisés en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollars US. Le but est d'aider les professionnels qui exportent les produits bruts ou simplement découpés ou tranchés sans avoir subi de transformation. Aussi, il convient d'abord d'extraire les différentes codifications énoncées à l'article 2 alinéa A du projet de délibération. Les produits transformés issus de l'industrie agroalimentaire, puis de mieux définir la profession de mareyeur exportateur. Par conséquent, il est proposé de modifier l'article 2 alinéa A du projet de délibération comme suite. Au lieu de, petit a, compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation des produits de la pêche hauturière correspondant aux positions tarifaires douanières suivantes, 0304-9020, 0304-2020, 0304-1020, 0304-1010, 0303-7900, 0305-4990, 0302-6900, 0303-4300, 0304-9010, 0304-2010, 0303-4200, 0302-3200, 0303-4100, 0302-3100, 0303-4900, 0302-3900, 0302-3400, 0302-3500,
réalisé en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollar US, mettre, compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation des produits de la pêche hauturière correspondant aux positions tarifaires douanières suivantes, 0304-9020, 0304-2020, 0304-1020, 0304-1010, 0303-7900, 0302-6900, 0303-4300, 0304-9010, 0304-2010, 0303-4200, 0302-3200, 0303-4100, 0302-3100, 0303-4900, 0302-3900, 0302-3400, 0302-3500, réalisé en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollar US. Le reste de l'article est sans changement. Merci, Monsieur le Ministre. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité. Unanimité. Unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Aucune observation. Je mets au voie l'amendement. Unanimité. Unanimité. Monsieur le rapporteur, vous relisez l'article amendé. Le dispositif de soutien à la pêche intervient donc, petit a, pour compenser la perte de change constatée sur les transactions à l'exportation des produits de la pêche hauturière correspondant aux positions tarifaires douanières suivantes. 0304-9020, 0304-2020, 0304-1020, 0304-1010, 0303-7900, 0302-6900, 0303-4300, 0304-9010, 0304-2010, 0303-4200, 0302-3200, 0303-4100, 0302-3100, 0303-4900, 0302-3900, 0302-3400, 0302-3500, réalisé en monnaie des États-Unis d'Amérique, dollar US. Le reste de l'article est sans changement. Lisez, s'il vous plaît. Okay. Oui, Monsieur le Président. Petit B, assurer la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace au port de pêche de propriété et aux titulaires d'une licence de pêche professionnelle et aux mareyeurs. Petit C, équiper les détenteurs d'une carte professionnelle de pêcheurs lagonnaires en petit matériel, hors filet maillon, nécessaire à leur activité dans la limite d'un plafond annuel de 150 000 francs CFP. La liste de ces matériels est fixée par un arrêté pris en Conseil des ministres. Merci. L'article 2, donc, ainsi amendé. Même vote. Même vote. Vous souhaitez intervenir, M. Foster? Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, en effet, sur cet article, dans le paragraphe C, il est important, effectivement, pour nous, de rappeler que l'obtention d'une carte professionnelle semble obtenir des difficultés, surtout pour les personnes qui sont les plus éloignées de Tahiti. En fait, le dispositif qui intègre l'agriculture à la pêche lagonaire met un peu en difficulté ces demandeurs de cartes du fait qu'il faille prouver qu'ils ont une certaine capacité dans le domaine agricole et d'autre part également dans le secteur de la pêche lagonaire. Donc, serait-il possible, Monsieur le Ministre, de simplifier l'obtention d'une carte professionnelle à l'égard de ces deux secteurs d'activité pour permettre d'une part à ces professionnels d'obtenir facilement l'accès à cette subvention. D'autre part, j'aurais aimé avoir des précisions sur en dehors des filets et tout cela, les propriétaires de parcs à poissons bénéficieraient-ils de cette mesure également dans le cadre de l'acquisition des fils, des grillages, du grillage pour leurs parcs à poissons ou cela fait-il partie d'un autre dispositif d'aide?
Voilà ce que je voulais avoir comme précision, Monsieur le Président, sur l'article 2. Merci. Merci, Monsieur Foster. Votre intervention, oui, Madame Tétoni, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre Tatopouro Yorana. Oui, j'aurais voulu attendre l'article 3. C'était un peu dans le sens de la réflexion de mon collègue Foster, surtout au niveau des parcs à poissons, là. Parce que c'est toujours le FEI qui a attribué une certaine aide aux propriétaires de parcs à poissons pour l'achat des grillages et matériels pour pouvoir fabriquer le parc à poissons. Sinon, au niveau des fameux détenteurs de cartes professionnelles de pêcheurs lagonnais, quelles sont les mesures prises pour, comment dirais-je, pour sécuriser la profession? Enfin, je vais m'expliquer plus clairement. Nous voyons, sur un certain pourcentage de nos pêcheurs, que certains pêcheurs, quand même, sont déjà des salariés. Et ils vont quand même, on les voit quand même au marché en train de vendre du poisson. Alors, comment peut-on faire pour éviter et laisser la profession à ceux qui n'ont pas de travail et qui optent dans la profession de pêcheur? Bon, nous savons tous que nous pouvons pas empêcher quelqu'un dans notre pays à aller un soir avec son poubouis et ramener 10 paquets et les vendre au marché. Mais comment peut-on pallier et essayer de protéger la profession? Voilà, merci. Merci. Donc, l'article 2 amendé étant adopté, avez-vous des réponses à apporter, Monsieur le ministre, à ces trois questions pertinentes? Oui, donc par rapport au soutien que l'on pourrait faire dans les îles, notamment pour les équipements concernant les parcs à poissons, donc nous avons une autre ligne budgétaire, donc qui est une ligne spécifique. Donc d'aide à l'aquaculture, donc d'aide aux professionnels aquaculture et pisciculture, qui se trouve donc dans le budget, mais pas dans le DSP. C'est une ligne budgétaire qui est à l'investissement, dans la section investissement du budget du service de la pêche. Donc il s'agira pour nous de soutenir à travers cette ligne l'installation de nouveaux porteurs de projets de parcs à poissons, et également les petites rénovations si elles sont justifiées. En tout cas, dans les îles, au Tuamotu, aux îles sous le vent, nous avons beaucoup de demandes de parcs à poissons. Ensuite, pour l'accès à la carte de pêcheur lagonnais, nous sommes en train de travailler avec le ministre chargé de l'agriculture, puisque c'est lui qui a la tutelle de la Chambre d'agriculture et qui aujourd'hui concentre toutes les demandes de cartes d'agriculteurs et de cartes de pêcheurs lagonnais. Nous sommes en train de travailler pour rendre au service de la pêche, laisser le soin au service de la pêche de gérer les enquêtes, les demandes de nouvelles cartes et les renouvellements de cartes, et également demander au service de la pêche de concentrer donc au niveau de sa base, une base informatique que l'on maîtriserait directement pour mieux suivre les détenteurs de cartes. Et donc nous, on mettra au niveau du service de la pêche un suivi particulier donc pour les nouveaux demandeurs, et également vérifier qu'il n'y a pas de tricherie, puisque dès qu'on met en place une aide, il y a souvent des dérapages. Donc il faut bien veiller à ce que ces cartes lagonnaises soient bien attribuées aux pêcheurs, aux petits pêcheurs. Ensuite, pour sécuriser la profession, donc aujourd'hui il est difficile d'interdire aux salariés hein, d'aller pêcher, puisque l'accès à la mer est... Et donc tout le monde a le droit d'aller pêcher du poisson. Maintenant, on cherche une solution aujourd'hui de comment réglementer, comment organiser la commercialisation de ce poisson, bon, notamment à travers peut-être la carte.
soit la carte de, soit la licence de pêche professionnelle, donc celle qui permet aux pêcheurs d'avoir un petit marara, ou soit à travers la carte de petit pêcheur lagonnaire. Donc ce travail est un travail également juridique, hein, puisqu'il faut pouvoir bloquer la commercialisation que aux titulaires de carte. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et tout le monde peut vendre son poisson. En tout cas, tout le monde a le droit de vendre son poisson au bord de la route. À nous cherchons la solution la plus sûre, hein, pour, en tout cas au niveau juridique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je n'ai pas la réponse aujourd'hui, mais nous sommes en train de travailler sur ce sujet-là. Comment bloquer la commercialisation co-titulaire de cartes? Je ne sais pas si ça va être possible, mais parce que l'accès à la mer est autorisé à tous. Tout le monde a le droit d'aller pêcher et puis de vendre son poisson aujourd'hui au bord de la route. Voilà. Parce que les circuits de vente de poissons sont vraiment informels. Pratiquement la totalité de la pêche lagonnaise se vend comme ça. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Tétonoui, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Ministre, pour les explications. Non, c'est une réflexion, enfin, qu'on devrait peut-être approfondir dans les temps prochains, parce que c'est important. À l'heure où on parle beaucoup à pouvoir donner de l'emploi, du travail à nos gens qui n'arrêtent pas de venir nous casser les pieds tous les jours à trouver du travail. Et puis, surtout dans nos îles, on ne peut que de leur dire où l'administration est superbement saturée. Notre facilité à nous de dire, c'est d'aller dans le Fapu ou bien d'aller pêcher. Or, pour pouvoir lancer quelqu'un dans la pêche, il faut bien qu'il puisse acheter un petit coup. Si je pense, d'après les renseignements que j'ai pris, le moins cher d'un petit bateau que quelqu'un pourrait acheter, il coûte presque 500 000 balles ou 600 000 francs. À côté de ça, il faut acheter les filets, il faut acheter les fusils. Alors là déjà, on est très mal parti pour lancer quelqu'un dans la pêche. Et que quelqu'un qui est déjà salarié à côté peut facilement aller se payer du matériel de pêche. Moi, je pense que c'est sur la délivrance des cartes de pêche qu'il faudra accentuer la sélection des pêcheurs et puis arrêter, comme on dit, comme j'ai beaucoup entendu pendant la période Taoui, entre guillemets, les copains coquins et compagnie là, pour attribuer, parce que le chef de service est très grand copain avec un tel, pour lui refiler une carte professionnelle juste pour pouvoir s'octroyer le fameux dispositif d'aide. Il faudra bien que les services de la pêche soient stricts et vigilants sur la délivrance des fameuses cartes de pêcheurs. Voilà, merci, Monsieur le Président. Article 3. Vous avez la parole. Oui, Président, merci. Je voulais rebondir la question de Madame Tétonoui. Justement, pour nous, les Iliens, la plupart de nos populations, ils font un peu de pêche, l'agriculture, et s'ils trouvent du travail pour 2-3 mois, c'est un chantier. Alors, comment vous allez classer si cette personne travaille pour 6 mois et en faisant la pêche, l'agriculture en même temps? Merci. Madame Tahouatama, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, contrairement à mes collègues des îles Soulevent et des Tuamotu, le service de la pêche n'étant pas représenté sur les Australes, donc chez nous, nos pêcheurs lagonnais sont suivis par le service de l'agriculture. Donc, ils sont suivis régulièrement par ce service. Donc, je remercie Patriau pour ces dispositifs d'aide. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la liste de matériel que peuvent bénéficier nos pêcheurs. Est-ce qu'on peut l'avoir incessamment sous peu ou
Il ne faudrait pas que le délai soit trop long. S'il peut déjà nous dire maintenant la liste, quelques noms quoi, des matériels que nos pêcheurs pourront bénéficier, ça serait bien, quoi. Parce que là, on ne nous précise pas dans l'article quels sont les matériels que nos petits pêcheurs pourront acheter. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il ne faudrait pas attendre le 14 février. Donc, à l'alinéa C hein, de l'article 2, la liste de ces matériels est fixée par un arrêté et puis en conseil des ministres. Bon, ce n'est pas encore pris, mais il s'agit de tout le petit matériel qui intéresse aujourd'hui le petit pêcheur, sauf les filets maillons, donc de deux doigts et moins, et sauf les projecteurs. Parce que pour éviter que le pêcheur aille saccager la nuit nos récifs et nos... Mais sinon, la liste, tout est éligible. Maintenant, le service de la pêche va également juger sur pièce. Hein. Si on nous demande une roue de secours pour la voiture, bon, ça c'est pas éligible. Mais si on nous demande une glacière, un fusil, une canne à pêche, bon, tout est éligible. Tout ce qui concerne le pêcheur ou qui concerne le bateau, le petit marara ou... Bon, je ne vais pas énumérer la liste aujourd'hui, mais c'est ce qui intéresse le pêcheur, la glacière. Mais ce qui est interdit, c'est les filets maillons de deux doigts et moins, en tout cas les filets maillons en général, et les projecteurs. Ça, on le mettra dans l'arrêté pris en Conseil des ministres. Voilà. Par rapport à la question de M. Moutam, des plus intéressantes, avez-vous une réponse ? Bien sûr qu'il y a des pêcheurs qui sont agriculteurs et donc qui ont les deux activités. Dige aussi et Sige. Dige et Sige. Pardon. Donc on va bien sûr si le service de la pêche récupère la gestion de ces quatre. C'est sur l'enquête que l'on va bien définir s'il est bien réalisé, s'il mérite d'avoir une carte ou pas. Donc je ne peux pas, moi, dire aujourd'hui si un tel ou un tel pourrait être bénéficiaire de la titulaire de la carte. C'est l'enquête, il faut venir voir, il faut comprendre quelle est son activité, qu'est-ce qu'il fait dans la vie. Et je pense qu'on ne sera pas borné, on ne va pas être trop fermé dans un cadre. Il faut s'adapter aux demandeurs, mais le cadre sera quand même écrit, et puis il faut s'adapter sur le terrain. Merci. Attention quand même, Monsieur le ministre, à force de trop réglementer, on va bientôt apprendre à nos pêcheurs à avoir un brevet pour pouvoir pêcher le INA. Mais je vous recommande de lire une délibération qui a été adoptée en 1996. Ici, sur ce dossier-là, vous avez la réponse à ces interrogations. Monsieur Foster, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais juste apporter en complément à la demande de mon collègue sur le choix des futurs attributaires des cartes professionnelles de pêcheurs lagonnaires. Donc, nous restons toujours dans le cadre des Iliens. Effectivement, pour la plupart de nos demandeurs, souvent leurs demandes sont rejetées du fait qu'ils ont exercé momentanément un travail, soit dans le secteur du Dige, soit dans le secteur de la commune sur un poste temporaire pour réaliser un bâtiment. Et dès lors qu'ils présentent effectivement un document justifiant cet emploi, leur demande est systématiquement rejetée pour accéder à cette qualification de professionnel de la pêche lagonnaire. Or, il me semble que ces critères doivent être étudiés avec beaucoup de discernement, dans la mesure où, en fait, ces demandeurs-là, ce sont des vrais pêcheurs, parce qu'en dehors de ces deux mois de travail à la mairie temporaire,
ou sur un autre chantier de 2 mois temporaire, ils restent malgré tout pendant tout le restant de leur temps des vrais pêcheurs. Donc je crois que ce sont des critères qu'il faudra retenir dans l'examen des cartes à attribuer, surtout aux demandeurs. Mais dès lors qu'ils prouvent qu'ils ont une vraie profession dans l'administration ou ailleurs, il est normal qu'ils ne soient pas attributeurs d'une carte professionnelle de la pêche. Voilà ce que je voulais apporter comme complément, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur Foster. Cette remarque, Monsieur le ministre, est réelle. Prenez-la bien en compte. N'écartez pas aussi, parce que je regarde mon maire de Houahine, les pêcheurs lagonnais spécialistes du VANA. Parce que ceux-là ne sont pratiquement pas aidés. Je vous assure, on aime le VANA, mais allez un peu pêcher le VANA une journée, vous allez voir ce que c'est. Ceux-là sont oubliés. C'est vrai que le VANA, il est sur place, mais l'infrastructure à côté, c'est pas évident. Il faut avoir un caou aluminium, il faut avoir un tavilivana, il faut tout avoir à côté, je vous assure. Il faut avoir les bocaux, il faut avoir les glacières. C'est pas évident. Ne les oubliez pas. Bon, article 3. Article 3. Sont éligibles au bénéfice du dispositif instauré par la présente délibération les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en Polynésie française. Petit a, qui exercent la profession d'acheter en vue de la revente des produits de la pêche hauturière, le cas échéant après transformation ou valorisation. Petit b, qui exercent la profession de pêcheur professionnel pouvant justifier de la détention d'une licence de pêche professionnelle ou d'une carte professionnelle de pêcheur lagonnaire. Et petit c, qui exploitent les moyens de production de glace implanté au port de pêche de Papeete. C'est l'article 3. Oui, Monsieur Foster, vous avez la parole, mais Monsieur le ministre doit aussi déposer avant tout un amendement sur l'article 3, alinéa A. Vous avez la parole, Monsieur le ministre, pour l'amendement d'abord. L'amendement donc, que nous souhaitons vous proposer, donc suite à l'amendement apporté à l'article 2, alinéa A, il convient alors de définir la profession de marailleur exportateur et donc de préciser la rédaction de l'article 3 alinéa A du projet de délibération comme suit. Au lieu de petit a qui exerce la profession d'acheter en vue de la revente des produits de la pêche hauturière, le cas échéant après transformation ou valorisation, mettre a petit a qui exerce la profession d'acheter en vue de la revente des produits de la pêche hauturière, le cas échéant après découpage ou tranchage sans avoir subi de transformation. Le reste de l'article est sans changement. Oui. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Unanimité. Unanimité. Monsieur le rapporteur, votre téléphone, s'il vous plaît. Si vous pouvez arrêter la discussion. Parce qu'on ne peut pas rapporter et téléphoner en même temps. La discussion est ouverte sur l'amendement. Unanimité. Non, Monsieur Foster, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Oui, je voudrais, l'article 3 nous précise l'éligibilité des professionnels à ce dispositif, j'aurais aimé quand même rappeler que souvent les dispositifs qui sont mis en place sont assez contraignants et quelque part on arrive même à décourager les pêcheurs à faire des demandes pour bénéficier de ce dispositif, surtout lorsqu'on sait que nos petits pêcheurs des îles pour beaucoup ne comprennent qu'à moitié le français. Donc on leur demande de remplir des documents qui sont un peu complexes, à mon avis, pour ce qui les concerne. C'est simplement un souhait que je formule au président du ministre,
faut que ces documents soient établis de manière à ce que la compréhension soit allégée ou peut-être que les documents qui sont également demandés ne soient pas une liste d'une page A4 pour faire une demande pour accéder à ce dispositif. L'autre point, j'avais cru entendre, monsieur le ministre, que les professionnels de Potimarara pouvaient bénéficier également de ce dispositif. Vous avez la parole, monsieur le ministre. Donc, bien sûr que nous allons, pour répondre à monsieur Foster, simplifier au maximum la procédure administrative pour obtenir ces aides, en tout cas surtout celles qui concernent les petits pêcheurs lagonnais, et ne pas les surcharger de documents administratifs. Et concernant les petits mararas, il y a également donc pour eux la possibilité de demander donc un complément de petit équipement pour compléter l'équipement à bord du Potimarara. Mais je veux aussi rassurer les représentants qu'il y a d'autres dispositifs qui existent pour les Potimarara, notamment les constructions de nouvelles embarcations, de nouveaux Potimarara et l'acquisition de moteurs est également soutenue, mais pas à travers ce dispositif, à travers des lignes budgétaires qui existent déjà au service de la pêche. Merci. À ce sujet, monsieur le ministre, dans les documents que les divers services réclament aux demandeurs, figure une notion tout à fait abstraite pour nos pêcheurs des îles. J'ai été confronté à ce problème l'an dernier, la notion de déposer une quittance d'électricité. Je peux vous assurer que si le demandeur ne dépose pas cette quittance d'électricité, il n'a pas l'aide. Or, bien souvent, le pêcheur est en moudrou, il n'y a pas, ou même des îles sous le vent, n'en parlons pas de ceux des Australes, puisque j'ai été confronté à ce problème, eh bien, ça passe en commission, la demande est rejetée. Donc là, il faut activer. Bon, sur l'article 3, donc l'amendement est adopté, sur l'article 3 amendé. Monsieur le rapporteur, vous avez la parole. Article 3 amendé. Ils sont éligibles au bénéfice du dispositif instauré par la présente délibération. Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social en Polynésie française. Petit A, qui exerce la profession d'acheter en vue de la revente des produits de la pêche hauturière, le cas échéant, après découpage ou tranchage, sans avoir subi de transformation. Petit B, qui exerce la profession de pêcheur professionnel, pouvant justifier la détention d'une licence de pêche professionnelle ou d'une carte professionnelle de pêcheur lagonnais. Et petit C, qui exploite les moyens de production de glace implantés au port de pêche de Papeete. Donc, l'article amendé, même vote, adopté. Article 4. Le montant de la compensation couvert par le dispositif de la présente délibération est égal à la différence constatée au moment de la réalisation de l'opération d'exportation des produits de la pêche hauturière définie à l'article 2, alinéa A, entre une parité de référence fixée à 110 francs pour un dollar américain, $1, et le cours de cette devise étrangère, tel qu'il est publié au journal officiel de la Polynésie française par l'Institut d'émission d'Outre-mer. Sur l'article 4, même vote. Article 5. Dans la limite des crédits disponibles, l'aide allouée est égale au produit de la compensation, tel que prévu à l'alinéa précédent par le nombre de kilogrammes nets de produits de la pêche hauturière exportés. Elle est liquidée mensuellement sur présentation d'une demande, conforme à un formulaire type accompagné de pièces justificatives fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Sur l'article 5, même vote. Article 6.
La part de la redevance de fourniture de glace prise en charge au titre du présent dispositif est fixée pour chaque kilogramme de glace vendu à la somme de 3 francs CFP, de 3 francs pacifiques, 3 francs CFP, dans la limite des crédits disponibles. L'aide est liquidée mensuellement sur présentation d'une demande accompagnée de pièces justificatives fixées par un arrêté pris en Conseil des ministres. Sur l'article 6, vous ne souhaitez pas interroger le ministre sur le type de pièce justificative fixée par arrêté du Conseil des ministres? Non? Ça paraît clair? Madame Tahuatam. Monsieur le Président, je cherchais Monsieur Puchot. C'était pour lui demander s'il existe une marge pour la revente de la glace, parce que chez nous, actuellement, j'en ai acheté sur place. Le sac est à 300 francs, alors qu'à Tupouay, il est à 800 francs, le sac de glace. Alors, je voulais lui demander si ces commerçants sont autorisés à revendre à plus de 100% un sac de glace chez nous. Ah, vous aimez, vous vendez plus cher? C'est 1000 chez nous, c'est 1000. Vous posez la question au Tawana. Hé, hey, Tawana, oui, je la parole. Non, je voulais dire à M. Puchot. Merci, Monsieur le Président. Moi, je ne vais pas répondre directement à la question de Mme Tahuatama, mais je veux vous rappeler que le dispositif que l'aide que nous mettons en place ici, donc les 3 francs sur le kilogramme de glace, concerne la machine à glace du port de pêche. Pas la glace qui est vendue dans les communes, pas la glace qui est vendue par les coopératives. C'est celle qui est vendue au port de pêche. Et donc là, il s'agit de soutenir la filière hauturière. Il y a 6000 tonnes de glace vendues par an pour la filière hauturière, donc les thoniers, et puis également les quelques petits mararas qui vont chercher la glace au port de pêche. Donc 6000 tonnes, aujourd'hui, elle est vendue à 10 francs. Donc le soutien que nous proposons est de 3 francs, mais uniquement pour le port de pêche, hein, sur les 10 francs. Et cette machine à glace est gérée aujourd'hui par la CCISM. Oui, monsieur Foster, vous avez la parole. Oui, monsieur le ministre, merci. Ce dispositif, bien sûr, est fort intéressant pour nos pêcheurs, mais cet article 6 m'interpelle simplement dans la dernière phrase du paragraphe, lorsqu'on dit dans la limite des crédits disponibles. Ça veut dire que s'il n'y a plus de sous, on ne paye plus. Voilà, tout à fait. Donc, c'est juste cela qui m'interpelle. Peut-être qu'il faudra, à mon avis, supprimer formuler autrement ce genre de phrase. L'aide est liquidée mensuellement, tout simplement. Enfin, je ne sais pas. Enfin, si c'est gênant, bon, ben, on pourrait mettre. Oui, mais enfin, je ça relève rien, toutefois. Je relève toutefois ce petit. D'autre part, on avait été un peu assez vite tout à l'heure. Je voulais juste avoir pour compléter mon information. Sur les 110 francs de parité qui est prévu, c'est le plafond de la parité qui sera servi de base de calcul par rapport au dollar affiché journalièrement. La différence est prise en charge par... Monsieur le ministre, sur donc, la limite des crédits disponibles qu'on souhaiterait voir supprimer. Bon, je n'ai pas d'objection à ce que l'on supprime, mais cette rédaction a été validée par le service des finances, puisque nous avons travaillé le texte avec un technicien du service des finances qui ne nous a pas imposé, mais qui nous a demandé de le rédiger comme ça. Mais l'Assemblée a la latitude de... Oui, monsieur Foster. Il avait certainement des doutes de pouvoir mettre les fonds en place à ce moment-là pour qu'il ait mis ce membre de phrase. Enfin, ben c'est une question. Ouais, donc, maintenant,
Monsieur le ministre des Finances était là tout à l'heure, on peut essayer de le joindre là, on fait une petite suspension, parce que c'est vrai que pour nous, ce n'est pas négligeable. Et puis cette mesure, elle ne peut pas être rendue extensible aux pêcheurs des îles, notamment aux pêcheurs qui ont des tonniers installés dans les îles. Parce que chez nous, le prix de la glace, enfin, monsieur le maire, hein, indifférence par rapport à tout bruit. Non, je pense que, monsieur le Président, excusez-moi, je pense que dans la formulation, peut-être qu'il juste qu'il prévoit certainement une mesure protectionniste pour en matière financière, mais je pense que dans l'esprit, ce sera payé dans le mois qui suit avec un amendement de la ligne budgétaire qu'il faut, je ne sais pas. Mais sinon, effectivement, ils auraient eu l'obligation de payer, disponible ou pas, les factures mensuellement. C'est peut-être une mesure qui n'est pas, en fait, inintéressante dans la gestion par le service. Donc, je propose de maintenir. Bien. On maintient la rédaction actuelle. Même vote sur l'article 6. Même vote. Article 7. L'aide relevant des dispositifs de l'article 2, position C, est accordée à la suite du dépôt par le demandeur de facture pro forma. Lorsque la demande réunit les conditions requises, le service de la pêche rétablit un bon de commande remis au bénéficiaire au profit du fournisseur. Sur l'article 7, même vote, même vote. Article 8. Le service de la pêche est chargé de la mise en œuvre du présent dispositif, de son évaluation et de son contrôle. Sur l'article 8, même vote. Messieurs et mesdames les représentants, vous êtes satisfaits du travail du service de la pêche dans vos îles respectives? Oui. Même vote. Article 9. Je crois que ce n'est pas le cas chez nous à la Romantaille. Hein. Oui, madame Tétroni, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le président. Pour ne pas remettre l'huile sur le feu, nous avons émis tous nos voeux au sein de la commission. Et je puisse vous assurer, si le nouveau ministre ne va pas faire son travail, on fait nous-mêmes le ménage aux îles sous le vent. Merci. Oui, merci, madame Tétroni. Oui, je compte sur vous. Article 9. Les dispositions de la présente délibération s'appliquent, petite A, en matière de compensation pour perte de change aux opérations d'exportation réalisées à compter du 1er janvier 2005. Petit B, en matière de prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace aux ventes réalisées à compter du 1er janvier 2005. Et petit C, en matière d'aide aux détenteurs d'une carte professionnelle de pêcheur lagonnaire aux demandes déposées à compter du 1er janvier 2005. Même vote, article 9. Monsieur Foster, vous avez la parole. Monsieur le Président, je voudrais demander des précisions sur le point C. En matière d'aide aux détenteurs d'une carte professionnelle de pêcheurs lagonnaires, aux demandes déposées à compter du premier. Donc, on parle des demandes, hein, pas de demandes déposées. De demandes d'aide. Hein. Donc, ceux qui ont les cartes déjà donc, peuvent accéder. Merci. Bien. Même vote. Même vote. Article 10. Les dispositions de la présente délibération cessent de produire leurs effets le 31 décembre 2005, à l'exception de celles relatives à la prise en charge d'une fraction de la redevance de fourniture de glace, qui viennent à expiration le 30 juin 2005. Je crois que vous devez avoir beaucoup d'interrogations. Non. Non ? Pas d'observation ? C'est une simple... Oui, monsieur Foster, vous avez la parole. Enfin, non, je pense que nous n'avons pas d'observation. Il est effectivement clair que le dispositif est prévu pour l'année 2005, hein, et qu'à partir de ce moment-là, notre ministre verra si c'est un dispositif qui doit être poursuivi. À ce moment-là, certainement une prorogation nous sera proposée à ce moment-là. Monsieur le ministre, c'est bien ça?
C'est bien ça. Article, donc même vote, article 10, même vote. Article 11. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Monsieur Foster, si vous pouvez éteindre votre micro, parce que là on entend ce que vous dites au téléphone. Article 11, même vote, même vote. L'ensemble, même vote, même vote. Passons donc au rapport, au deuxième rapport. Rapport 52 du 3 janvier 2005, relatif à un projet de délibération instaurant un dispositif de protection de l'emploi dans les PME du bâtiment au travers d'une relance par les taux. Avant de passer à la lecture du rapport, Monsieur le ministre, souhaitez-vous intervenir? Mais avant que vous interveniez, Madame Taero. Monsieur, ces places sont réservées pour les ministres, s'il vous plaît. Vous devez vous mettre en retrait. Il y a une certaine discipline à respecter quand même dans cette enceinte. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les représentants, bonjour. Monsieur le Président, bonjour. Monsieur, Mesdames et Messieurs les journalistes et le public, recevez nos salutations en ce vendredi matin. Monsieur le Président, effectivement, je soumets à la sanction de l'Assemblée une mesure qui fait suite à plusieurs dispositifs de relance que nous avons souhaité mener pour faire redémarrer notre économie. Et je vous parlais en début de semaine du secteur de l'automobile. Nous sommes aujourd'hui sur la problématique du bâtiment. Et cette mesure fait suite à de nombreuses discussions que j'ai pu avoir sur le terrain avec ces entreprises du bâtiment soumises à de sérieuses difficultés. Et de manière très conjoncturelle, j'ai souhaité, puisque je les ai rencontrés il y a 3 semaines, j'ai souhaité pouvoir proposer un dispositif visant à relancer l'activité dans ce secteur, et en particulier dans le secteur du bâtiment de seconde œuvre. Car vous savez certainement que nous avons relancé également la commande publique à travers un certain nombre de chantiers, mais ceux-ci vont de prime abord concerner les secteurs du gros œuvre. Et le souci dont nous ont fait part les chefs d'entreprise du second œuvre se situe au niveau des carnets de commandes, et c'est-à-dire qu'ils ont anticipé de toute façon un trou dans les carnets de commandes entre 3 et 6 mois en ce début d'année 2005 suite au ralentissement de l'économie que nous avons eu l'occasion de commenter. Et fort de ce constat, nous avons essayé de trouver d'autres moyens de relancer l'activité. Alors c'est la première fois que ça va se faire en Polynésie française. Il s'agit, dans le cadre d'un partenariat avec les banques, de proposer aux investisseurs privés, quand je dis investisseurs privés, c'est aux Polynésiens et aux Polynésiennes qui souhaitent améliorer leur logement, l'agrandir, le rénover, le mettre aux normes, pouvoir accéder à des emprunts bancaires à des taux attractifs. Il s'agit, dans ce cadre-là, de proposer un taux suffisamment attractif pour que, en dépit de l'attentisme qui frappe aujourd'hui notre territoire, ces personnes privées puissent faire le saut et prendre la décision de faire leur aménagement à des conditions attractives. L'objectif, en termes de taux de sortie de prêts bancaires, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les représentants, et de pouvoir obtenir des taux à 2% pour les personnes qui touchent au-dessus de 3 fois le SMIG et un taux à 1% pour ceux qui touchent moins de 3 fois le SMIG. Alors, pour pouvoir parvenir à ce taux, il s'agit d'une bonification d'intérêts, c'est-à-dire bien sûr que le territoire va participer à la prise en charge des intérêts, mais également les banques qui ont consenti à faire des efforts sur les taux d'intérêt qu'ils pratiquent. Les prêts visés pourront aller de 300 000 francs à 10 millions de francs et pourront s'étaler jusqu'à 7 ans. De manière, nous avons tenu à faire un plancher assez bas pour pouvoir aussi contenter ceux qui d'abord ne peuvent pas beaucoup emprunter et qui souhaitent réaliser des petits travaux chez eux, et un plafond plus haut pour ceux qui en ont les moyens et qui pourront réaliser plus de travaux. Je tiens à préciser, et puis de toute façon nous aurons l'occasion certainement de revenir sur le détail de la mesure, je tiens à préciser enfin que cette mesure vise bien à relancer l'activité dans le bâtiment
et que nous avons convenu avec les banques que les déblocages de ces crédits se font sur les comptes des entreprises, c'est-à-dire que nous demandons à ce que les particuliers aient recours à ces petites entreprises, notamment les entrepreneurs, pour réaliser ces travaux. Comprenez bien qu'il ne s'agit pas là de financer les travaux du week-end. Alors certains, c'est vrai, aiment bien pouvoir acheter leurs matériaux et faire eux-mêmes. Mais là, c'est bien une mesure de relance de l'activité du bâtiment. Donc la bonification engendre le fait, suppose que ses clients aient recours à des petites entreprises. Voilà, Monsieur le Président, en substance, l'économie de la mesure. Et puis je répondrai bien sûr aux questions de l'Assemblée tout à l'heure. Bien, merci Monsieur le Ministre. Nous allons donc passer à la lecture du rapport présenté au nom de la Commission de l'économie par Madame Fabienne Bennett et Monsieur Thomas Moutam. Madame Bennett, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Bonjour, Messieurs les ministres, chers collègues, chers publics, Yorana. Par lettre numéro 62-PR du 30 décembre 2004, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération instaurant un dispositif de protection de l'emploi dans les PME du bâtiment au travers d'une relance par les taux. Dans le contexte de morosité économique que nous connaissons, le gouvernement a pris l'initiative de mesures de relance économique ciblées sur certains secteurs fragilisés, tels la pêche, l'agriculture, le BTP, le tourisme ou encore l'automobile. Ces mesures sont toutes tournées vers la préservation de l'emploi qui constitue notre préoccupation centrale et engage notre responsabilité politique de la manière la plus lourde. Aujourd'hui encore, c'est donc une mesure pour un soutien économique à l'emploi que le gouvernement nous présente. En l'occurrence, une proposition qui tend une relance par les taux au travers d'une bonification d'intérêt dont le montant est modulé en fonction du revenu du bénéficiaire du prêt bonifié. Le support choisi est le prêt à taux fixe d'amélioration de l'habitat d'un montant maximum de 10 millions de francs pacifiques et d'une durée de remboursement limitée à 7 ans. C'est donc très clairement le secteur des PME du bâtiment qui doit en bénéficier, en tout premier lieu, un des secteurs moteurs de notre économie et grand pourvoyeur d'emplois, notamment peu qualifiés. Il s'agit là non pas de procéder à une relance classique par la commande publique, mais de susciter l'investissement privé chez les particuliers, mais aussi chez les professionnels que sont les PME bénéficiaires de la mesure. Tel est l'objet du projet de délibération ci-joint, Monsieur le Président, que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française, au nom de la Commission de l'économie, de bien vouloir adopter. Merci, Madame le rapporteur. Au nom du groupe des non-inscrits, on est tout à fait favorable. Une seule question, Monsieur le ministre, laquelle je souhaiterais une réponse. Seront concernées, bien sûr, les entreprises du bâtiment ayant une patente et étant à jour. Parce qu'il ne conviendrait pas que ça soit pour aider aussi les petits entrepreneurs qui ont l'habitude de travailler au noir. C'est ma seule intervention, après on continue les interventions. Le groupe Tahuela Huilatila, pas d'intervention. Le groupe Teara, Monsieur René Kohomouedeni, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. La baisse d'activité constatée dans le secteur de BTP laisse planer certaines inquiétudes pour 2005. La réduction des commandes publiques, le ralentissement des grands chantiers du secteur privé, jusqu'ici dopé par la défiscalisation, ainsi que le manque de visibilité sur les mois à venir, favorise un climat d'attentisme et de défiance qui risque de se détériorer davantage. Sans vouloir dresser un bilan alarmiste, la situation actuelle est telle que certaines entreprises souffrent d'un gap de 6 mois dans leur carnet de commandes, faisant peser ainsi la menace de licenciement. Les premiers touchés seront les moins bien dotés pour faire face à cette crise. Je veux parler de la multitude de petites et moyennes entreprises intervenant dans le domaine du second œuvre, allant
du plombier à l'électricien, en passant par le petit entrepreneur individuel. Ces difficultés d'ordre conjoncturel n'en sont pas moins bien réelles, et il m'arrive de mesurer au quotidien la détresse de certains entrepreneurs qui voient leur carnet de commandes se réduire au fur et à mesure. Dans ce contexte, l'idée de relancer l'ensemble du secteur du BTP en favorisant l'investissement pour l'aménagement de l'habitat me paraît intéressante à plus d'un titre. L'abaissement des taux, ramené ainsi à des niveaux exceptionnellement bas, 1% pour les personnes aux revenus inférieurs à 3 fois le SMIC et 2% pour le reste, soulagera et incitera, j'en suis sûr, nombre de particuliers désireux de réaliser des travaux de petite construction, d'aménagement ou de rénovation de leur habitat. Les conditions préférentielles attribuées aux plus petits revenus inférieurs à 3 fois le SMIC permettent de faciliter l'accès à ces crédits et d'agrandir ainsi au maximum la tranche de population pouvant bénéficier de cette mesure. En termes de coûts, cette opération plafonnée à 20 millions à 200 millions de francs CFP pour le pays me paraît totalement cohérente avec l'objectif de sauvegarde d'un minimum de 100 emplois menacés dans le secteur du second œuvre. Cette mesure est d'ores et déjà accueillie avec satisfaction par les professionnels et je suis sûr qu'elle permettra au plus grand nombre d'améliorer ses conditions de logement. En vertu de ces principes, bien sûr que je voterai pour ce dispositif et que je demanderai à mes chers collègues d'en faire de même. Merci pour votre attention. Merci, M. Kourou-Mouteni. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre à quelques interrogations? Vous avez la parole. Merci, M. le Président. Je voudrais effectivement confirmer qu'il s'agit de faire travailler des entreprises qui exercent leur activité dans la légalité et qu'il ne s'agit surtout pas effectivement de favoriser le travail au noir. Nous demanderons aux banques d'être vigilantes sur ce sujet-là, car nous connaissons aussi toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, notamment dans ce secteur. Je tiens effectivement à remercier M. Kourou-Mouteni pour son intervention. Je crois que cette mesure, encore une fois, qui se fait pour la première fois, donc il sera bon d'en tirer le bilan également à l'issue, cette mesure va permettre à la fois de redonner de l'activité à ces entreprises du bâtiment, qui pour beaucoup sont très inquiètes, sur l'avenir de leur activité. Je tiens à préciser un chiffre. Nous avons en Polynésie 1700 entreprises dans ce bâtiment qui ont un à deux employés, c'est-à-dire on parle de très petites entreprises et qui malheureusement, en cas de baisse d'activité, sont obligées de licencier ou de fermer leur petite entreprise. Donc il s'agit bien de les aider à passer ce cap. Et je pense à toute la multiplicité des petits métiers qui seront concernés par cette disposition, tous les métiers qui tournent autour donc de l'habitat. Je crois que ça va également permettre eh bien, à tout un chacun, en particulier de notre pays, de pouvoir aussi améliorer leurs conditions de vie au quotidien par des petits travaux que je pense nous sommes tous amené à imaginer tous les jours en nous levant, mais qu'effectivement nous repoussons parfois plus tard en fonction de plusieurs critères. Et il s'agit là de tenter de relancer ces investissements privés. Je crois que les conditions attractives de ces taux le permettront. Une dernière précision que je tiens à apporter devant l'Assemblée, que j'avais bien souligné devant la presse, c'est que, bien entendu, le pays n'interviendra pas dans l'octroi de ces prêts. Il s'agit bien de faire de la bonification, mais les banquiers joueront pleinement leur rôle et dans une relation entre un client et sa banque. Et bien entendu, le pays n'aura aucun mot à dire sur l'octroi en lui-même du crédit. Il s'agit bien de bonifier des crédits qui seront accordés par les banquiers dans l'exercice normal de leur activité. Voilà, Monsieur le Président, les précisions que je souhaitais apporter. Merci, Monsieur le Ministre. Avant de passer à l'article 1, toutes les banques ont accepté de jouer le jeu?
Oui, Monsieur le Président, toutes les banques ont accepté et nous préparons. Donc, à l'issue de cette délibération, nous prendrons un arrêté d'application et nous préparons également les conventions. Il y aura une signature de convention avec toutes les banques. Bien. Article 1. Madame Fabienne. Article 1. Dans les limites et conditions fixées par la présente délibération et par son arrêté d'application, tout résident majeur de la Polynésie française auquel une banque installée en Polynésie française et qui y distribue habituellement des prêts destinés à l'aménagement de l'habitat aura accordé un tel prêt bénéficiera d'une bonification des intérêts du dit prêt pris en charge par la Polynésie française. Sur l'article 1, aucune observation. Passons au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. Excusez-moi. Cette bonification d'intérêt à la charge de la Polynésie française ne pourra être supérieure à 5 points de pourcentage, soit 500 points de base bancaire. Sur l'article 2, même vote, même vote. Article 3. Seuls seront éligibles à cette bonification d'intérêt les prêts bancaires d'aménagement de l'habitat dont le montant sera compris entre 300 000 francs pacifiques et 10 millions de francs pacifiques et pour lesquels le taux proposé par la banque concernée sera au plus égal à 5 %. Sur cet article 3, Monsieur le ministre, vous avez deux amendements. Pouvez-vous donner lecture donc de vos deux amendements? Vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, merci. Effectivement, je propose à l'Assemblée deux amendements. Le premier... C'est la ligne 3 après 10 voilà. millions de francs. C'est la ligne 3 après 10 millions ajoutée, dont la durée de remboursement sera au plus égale à 7 ans, éventuellement précédée d'un différé de remboursement de 6 mois maximum. Je consulte donc l'Assemblée sur l'amendement sur la recevabilité. Unanimité, unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Monsieur Foster, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, ce qui nous précise donc que le nombre de phrases et pour lesquelles le taux proposé par la banque concernée sera au plus égal à 5 % disparaît dans la rédaction. Bien, c'est sur ce point effectivement que je voulais interpeller notre ministre, à savoir que par ailleurs, tel que l'a précisé notre intervenant sur le taux de remboursement pour les bénéficiaires qui sont à 3 fois le SMIG de 1 % et au-delà de 2 % ou 3 % si mes souvenirs sont exacts. Et c'est là où je voulais donc avoir une précision sur ce membre de phrase, même si par ailleurs les taux sont fixés, mais ici dans l'article 3, ça nous laisse entendre que ce taux peut être augmenté par ailleurs, alors que ce qui nous a été clairement dit, c'est un taux fixe au niveau de l'intérêt. Oui, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Il s'agit là en fait de la référence au taux avant bonification. C'est-à-dire que nous souhaitons que dans nos négociations avec les banques, parce que la bonification, lorsqu'elle se fait par une prise en charge d'une part des intérêts, donc le postulat de départ est que la bonification du territoire, donc pour atteindre les 2 % sera de 3 % et pour atteindre le 1 % dont nous parlions tout à l'heure sera de 4 % Donc nous avons dû fixer cette référence qui est de 5 % Et cette référence fixée à 5 % intègre déjà l'effort fait par les banques puisque les taux dans ce type de crédit démarrent au-dessus de 6 pour les meilleurs clients. Donc en fait, il s'agit là du taux de référence à partir duquel on va faire la bonification au titre de la Polynésie française. Bien. Bien, Monsieur Foster. Alors, je mets aux voix l'amendement. Même vote. Même vote. Monsieur le rapporteur, pouvez-vous lire donc l'article... Ah oui, il y a un deuxième amendement. C'est l'amendement numéro 2, donc, qui intervient normalement par rapport à la question de M. Foster, après le mot « taux ».
Vous avez la parole, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Effectivement, cet amendement tient compte de la question de monsieur Foster et précise ces données-là. Donc, article 3, ligne 3, après taux, ajouter nominal contractuel hors frais exceptionnellement. D'accord. Sur la recevabilité, même vote. Sur l'article amendé, même vote. Même vote. Donc, je mets aux voix l'article amendé. Madame Fabienne Bennett, pouvez-vous donc donner lecture de l'article amendé avec les deux amendements? Seuls seront éligibles à cette bonification d'intérêt les prêts bancaires d'aménagement de l'habitat, dont le montant sera compris entre 300 000 francs pacifiques et 10 millions de francs pacifiques, dont la durée de remboursement sera au plus égale à 7 ans, éventuellement précédée d'un différé de remboursement de 6 mois maximum, et pour lesquels le taux nominal contractuel hors frais exceptionnel proposé par la banque concernée sera au plus égal à 5%, monsieur le président. L'article ainsi amendé, même vote, même vote. Article 4. Seuls seront par ailleurs éligibles à cette bonification d'intérêt les prêts bancaires d'aménagement de l'habitat accordé entre la date d'application de la présente délibération et le 2 juillet 2005 inclus, dans la limite d'un encours total de ces prêts fixés à 5 milliards de francs pacifiques, toutes banques concernées confondues. Sur l'article 4, aucune observation. Même vote. Même vote. Monsieur le ministre, pourquoi la date du 2 juillet inclus? Vous avez la parole. Merci, monsieur le président. En fait, c'est pour finir une semaine complète et le 2 juillet tombe un samedi. D'accord. On voulait le faire au 30 juin, mais les banques ouvrant jusqu'au vendredi, on voulait laisser la possibilité jusqu'au 2 juillet. Bien, merci. Avec cette précision, comprise par tout le monde, même vote, même vote. Article 5. Une ou plusieurs conventions entre la Polynésie française et les banques concernées détermineront les obligations des parties signataires, et notamment les modalités de prise en charge par la Polynésie française des intérêts bonifiés, étant entendu que les banques concernées demeureront seules détentrices de la décision d'octroi des crédits. Alors là aussi, il y a un amendement. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, monsieur le président. Vous notez que la plupart de ces amendements sont très techniques, mais ils font le fruit de nos dernières discussions avec les banques pour qu'il n'y ait aucun doute sur ces dispositions. Donc, il est donc proposé la précision suivante, article 5, ligne 3, après bonifié, précisé, pendant toute la durée contractuelle initiale du prêt, période différée comprise. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Unanimité, unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Pas d'intervention. Unanimité, unanimité. Pouvez-vous donc donner lecture de l'article amendé? Une ou plusieurs conventions entre la Polynésie française et les banques concernées détermineront les obligations des parties signataires et notamment les modalités de prise en charge par la Polynésie française des intérêts bonifiés pendant toute la durée contractuelle initiale du prêt, période de différé comprise, étant entendu que les banques concernées demeureront seules détentrices de la décision d'octroi des crédits. L'article ainsi amendé. Même vote, même vote. Article 6. Les modalités d'application de la présente délibération, notamment celles relatives au montant de la bonification prise en charge par la Polynésie française, seront définies par arrêté pris en Conseil des ministres. Cette bonification pourra être modulée en fonction du montant et ou de la durée de remboursement des prêts qui seront accordés par les banques signataires, comme en fonction des revenus des bénéficiaires de ces prêts. Alors là aussi, monsieur le ministre, vous avez déposé un amendement numéro 4. Pouvez-vous donner lecture de cet amendement? Oui, merci, monsieur le président. Donc, il s'agit aussi d'un ajustement technique. Article 6, ligne 1, remplacer montant par taux. Je voudrais juste préciser, monsieur le président, qu'en matière de bonification d'intérêt, en effet, il est plus usuel de parler de taux de bonification que des montants d'intérêt bonifiés. Les montants intéressants, par contre, le gestionnaire du budget du territoire, mais les taux intéressant les clients et les banques. Tout à fait. Sur la recevabilité de l'amendement, même vote, même vote. La discussion est ouverte sur l'amendement.
Même vote. Pouvez-vous donc donner lecture, Madame Bennett, de l'article amendé? Les modalités d'application de la présente délibération, notamment celles relatives au taux de la bonification prise en charge par la Polynésie française, seront définies par arrêté pris en Conseil des ministres. Cette bonification pourra être modulée en fonction du montant et ou de la durée de remboursement des prêts qui sera accordée par les banques signataires, comme en fonction des revenus des bénéficiaires de ces prêts. L'article amendé, même vote. Article 7. La présente délibération sera applicable à compter de la publication au journal officiel de la Polynésie française de l'arrêté nécessaire à son application, et ce jusqu'au 2 juillet 2005. Même vote. Article 8. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Article 8. Même vote. L'ensemble de la délibération. Même vote. Nous passons au dernier rapport de l'ordre du jour. Le rapport 16 du 3 janvier 2005 relatif à un projet de délibération portant modification de la délibération 90-126 AT du 13 décembre 90, fixant le mode et les formalités d'établissement de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française. Monsieur le ministre, souhaitez-vous exposer l'économie du texte? Vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les représentants, le public, je voudrais au préalable vous prier de m'excuser pour avoir enfreint un peu les règles protocolaires de la maison. J'ai personnellement invité le chef du service de Calas à se mettre à mes côtés. Mais c'est la nature, c'est comme ça. Mon intervention de ce jour a trait donc à ce projet de délibération portant modification de la délibération numéro 90-126 de l'AT du 13 décembre 90, notamment ses articles 40 et 41 qui attribuaient la compétence au niveau de l'agrément pour la rédaction, des titulaires de rédaction des documents d'arpentage, en fait les géomètres, car cette compétence appartenait au Conseil des ministres. Aujourd'hui, au vu des nouvelles dispositions de la loi organique, notamment son article 64, cette compétence devient celle du président du gouvernement. Et donc, il s'agit simplement de demander de reconnaître cette modification. Voilà. Bien, merci, monsieur le ministre. Madame Parker, vous avez la parole pour la lecture, donc, au nom de la Commission des affaires foncières et des transports, du rapport en question. Merci, monsieur le président, messieurs les ministres, chers collègues, public, bonjour. Par lettre numéro 60 PR du 30 décembre 2004, le président de la Polynésie française a transmis aux fins d'examen par l'Assemblée de la Polynésie française un projet de délibération portant modification de la délibération numéro 90-126 AT du 13 décembre 1990, fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française. Suivant les articles 40 et 41 de la délibération numéro 90-126 AT du 13 décembre 1990, précité, l'agrément pour la rédaction des documents d'arpentage et des plans visés aux articles 34 et 39 de la dite délibération est délivré par arrêté pris en Conseil des ministres sur demande écrite des intéressés. Le retrait de l'agrément peut être prononcé par le Conseil des ministres pour faute professionnelle grave, incompétence et non exercice de ce droit pendant une année. Au vu de l'article 64 de la loi organique numéro 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui dispose dans son alinéa 6 sous réserve des dispositions de l'article 90, le président de la Polynésie française
prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française et des règlements. Il convient de modifier les articles 40 et 41 de la délibération numéro 90-126-AT du 13 décembre 1990 précité. Tel est l'objet du projet de délibération 6 juin que les rapporteurs demandent à leurs collègues de l'Assemblée de la Polynésie française au nom de la Commission des affaires foncières et des transports de bien vouloir adopter. Là, Monsieur le Président. Merci, Madame le rapporteur. La discussion est ouverte. Aucune remarque particulière du groupe des non-inscrits. Il en va de même du groupe Tahouela-Houilatera également. Oui, j'invite donc Monsieur Kohoumoutini au nom du groupe TERA à prendre la parole. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à saluer Monsieur le Ministre et le chef de service. Ce projet de délibération prend acte de l'article 64 de la loi organique numéro 2004, 192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, en vertu duquel le président de la Polynésie française prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française. Selon ce principe, la délibération numéro 90-126-AT du 13 décembre 1990 fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française exige certaines modifications relatives au transfert vers le président de la Polynésie française de compétences traditionnellement réservées au Conseil des ministres. La délivrance ainsi que le retrait de l'agrément nécessaire à la rédaction des documents d'arpentage sont donc désormais soumis à l'approbation du président de la Polynésie française. Je rappelle que ces documents sont nécessaires à la reconnaissance de tout changement de limite de propriété intervenant au sein d'une commune ou commune associée soumise à la conservation cadastrale. Conformément aux dispositions de la loi organique sur le nouveau statut, je voterai bien sûr en faveur du présent projet de délibération. Mais avant de finir, j'aimerais vous poser une question relative à l'article 3 de la délibération numéro 90-126-AT fixant le mode et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française. Cet article qui ne fait l'objet d'aucune modification dans le présent projet de délibération, mérite, à mon sens, quelques éclaircissements. Article 3. L'exécution des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre est arrêtée par le Conseil des ministres, qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments pour faute professionnelle grave ou incompétence. Ma question est simple. J'aurais souhaité connaître les raisons pour lesquelles cet article ne fait pas l'objet de mise à jour au même titre que les articles 40 et 41 de la même délibération. Je vous remercie. Merci, monsieur Kohoumoutini. Monsieur le ministre, vous avez la parole sur cette question des plus pertinentes. Monsieur le Président, j'en conviens parfaitement. Et je reconnais que il a dû y avoir un oubli à ce niveau-là qu'il faudra que l'on répare dans toute urgence. Merci de nous rappeler. Alors, merci. Merci. Eh bien, il faut vite prendre la plume parce que la semaine prochaine, on aura encore une séance.
et sinon pour une autre session. Sur l'article premier. Oui, Monsieur Foster, vous avez la parole. Monsieur le Président, merci. Sur le plan réglementaire, cette question ne peut-il pas être résolue en cette séance en déposant un amendement sur le sujet en question? Cela nous éviterait peut-être de revenir. Si c'est le cas, j'aimerais demander une suspension de séance pour que ce problème soit réglé définitivement aujourd'hui. Parce que pourquoi je demande à ce que cela soit exécuté aujourd'hui, Monsieur le Président, c'est parce que, tout simplement, les dispositions que nous prenons aujourd'hui seront en contradiction par rapport à cet article 3 et qui pourrait être interprété différemment suivant son appréciation. Merci. Je vous suggère une suspension de séance, donc, pour voir comment rédiger un amendement allant dans ce sens. Nous en sommes d'accord. La séance est suspendue pour 15 minutes au moins. Voilà. Pour faire le souci, il te disait pourquoi il faut changer, faire l'article et tout, alors que l'article 40 et 41 demandent aussi un changement. Donc il y a un oubli quelque part.
nous pouvons reprendre nos travaux. Bien. La séance est donc reprise. Et Monsieur le ministre, vous avez la parole pour donc... Non, parce qu'on n'a pas encore commencé la lecture de l'article 1. Avant d'arriver à l'amendement, donc. Article 1. Et Madame Parker, vous avez donc la parole. Article 1er. L'article 40 de la délibération numéro 90-26 AT du 13 décembre 1990, fixant le monde et les formalités d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française, est modifié comme suit. L'agrément pour la rédaction des documents d'arpentage et des plans visés aux articles 34 et 39 est délivré par arrêté du président de la Polynésie française sur la demande écrite des intéressés. Sur l'article 1, la discussion est ouverte. Aucun commentaire particulier. Nous passons au vote. Unanimité. Unanimité. Article 2. L'article 41 de ladite délibération numéro 90-26 AT du 13 décembre 1990 est modifié comme suit. Le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président de la Polynésie française pour faute professionnelle grave, incompétence et non-exercice de ce droit pendant une année. Sur l'article 2, Monsieur le ministre, dans la formulation, c'est incompétence et non-exercice ou incompétence ou non-exercice et ou non-exercice. Puisque dans le rapport de présentation, on parle de incompétence ou non-exercice au lieu de et non-exercice. Effectivement, c'est ou. C'est ou. Avec donc cette correction, ou à la place de et, même vote, même vote. Vous avez donc la... Non, l'article 3, d'abord, vous, malheureusement, Madame Parker. L'article 3. Vous lisez l'article 3, ensuite l'amendement sera prononcé par Monsieur le Président. Article 3. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Monsieur le ministre, vous avez donc un amendement sur l'article 3. Vous avez la parole. Je vous propose donc un amendement modifiant l'article 3 du projet de délibération portant modification de la délibération 90-126 AT du 13 décembre 90, fixant le mode de formalité d'établissement, de rénovation et de conservation du cadastre de la Polynésie française. Donc, au vu de l'article 64 de la loi organique, numéro 2492 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française qui dispose dans son alinéa 6, je cite, sous réserve des dispositions de l'article 90, il, faut entendre, c'est-à-dire le président de la Polynésie française prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application, etc., des délibérations de l'Assemblée de la Polynésie française et des règlements, il convient également de modifier l'article 3 de la délibération du 13 décembre 90. L'article, je propose donc la modification suivante, l'article 3 qui devient donc, l'article 3 de la délibération du 13 décembre est modifié comme suit, l'exécution des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit en entreprise. La liste des personnes âgées, agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre, est délivré par arrêté du président de la Polynésie française qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments pour faute professionnelle grave ou incompétence. Je rappelle que la modification donc porte sur terme président qui remplace donc conseil des ministres. Et que donc l'article 3 devient article 4. Bien. Je consulte l'Assemblée sur la recevabilité de l'amendement. Unanimité. Unanimité. La discussion est ouverte sur l'amendement. Aucun commentaire. Unanimité.
Madame le rapporteur, donc, vous donnez lecture de l'article 3 amendé. Article 3. L'article 3 de la dite délibération numéro 90-126 AT du 13 décembre 1990 est modifié comme suit. L'exécution des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre est assurée par le service du cadastre, soit en régie, soit à l'entreprise. La liste des personnes agréées pour l'exécution à l'entreprise des travaux d'établissement ou de rénovation du cadastre est délivrée par arrêté du président de la Polynésie française qui peut procéder à la suspension temporaire ou au retrait des agréments pour faute professionnelle grave ou incompétence. Je mets au voix l'article amendé. Même vote, unanimité, unanimité. Article 4. Article 4. Le président de la Polynésie française est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au journal officiel de la Polynésie française. Même vote sur l'article 4. Unanimité sur l'ensemble. Même vote, unanimité. Donc nous avons fini avec l'ordre du jour relatif notamment au rapport. Je demande à Madame la Secrétaire Générale de donner connaissance, de relever la correspondance. Alors, Monsieur le Président, tous les représentants ont dans leur dossier de séance le relevé de la correspondance reçue par l'Assemblée du 30 décembre 2004 et arrêté au 4 janvier 2005. Voilà, Monsieur le Président. Merci. Sur la convocation de la prochaine séance, prévue donc... jeudi prochain, je crois que c'est le 14, hein, 13. Ce jeudi 13, l'ordre du jour est des plus costauds. Nous aurons 14 dossiers à l'ordre du jour. Néanmoins, j'invite le président de la commission des finances et les membres de la commission des finances à se réunir maintenant pour adopter un dossier des plus importants pour tous les élus des îles, conformément aux souhaits manifestés l'an dernier, pour que ce dossier puisse être adopté en conférence des présidents lundi prochain et en séance plénière jeudi prochain. Donc je clôt la séance d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, désolé pour le match, je pensais qu'on allait terminer plus tôt, donc je n'ai pas commandé de match. Oh, ça ne fait rien, hein. Avec tout ce qu'on a bien mangé cet an dernier, on peut se permettre, hein, une petite diète. OK, merci beaucoup. À la prochaine. La séance est close.